Alléluia. 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 Zabika dividi binyo bika nyuma nyume nyu makamata yankore umamba makamata yankore kimi na joma no yimezi nyomba le wana ki makamata yankore umamba Kululu kulu makamata yankorwa Alleluia 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 kili makamata yankorwa Alleluia Alleluia Alléluia, ma kamata yankorwa. Kululu kulu, ma kamata yankorwa. Emena jomano, bizi nyomba le wana, ma kamata yankorwa mamba. Kululu kulu, ma kamata yankorwa. Tabika divi divi nyingo, bika nyume nyume nyingo. Makamata yankoro wa mambang. Makamata yankoro wa mambang. Patientez, hein? Je voulais juste vous montrer le foie. J'ai ouvert la fenêtre. Regardez ce que c'est. Juste ouvrir la fenêtre. Donc, c'est comme si on t'a mis dans un congélateur. C'est ça qu'on vient mourir ici. Ok. Pour attraper la pneumonie. Pour rien. Alors, ce que nous pouvons vous aider, c'est aujourd'hui, c'est que nous au moins on peut parler fort. Ici. Il y a les droits de l'homme ici, donc les gens nous respectent quand même dans ce sens-là. Ils respectent les personnes. Les gens qui tuent en douce, là, c'est souvent les gens qu'on a achetés, pas publiquement. C'est vraiment des gens, c'est pas la vraie loi. C'est comme les Koulmondjes du Cameroun. Mais... je peux vous dire que la chance, la seule chance qu'on a ici, c'est qu'on peut trouver du boulot et on peut parler. Tu dois t'exprimer. Tu peux t'exprimer. Quand tu as envie de t'exprimer, tu t'exprimes. Même si ça fait mal, même si ça blesse, tu t'exprimes. Parce que c'est la seule chose que tu as droit. C'est ce qui sort de ta bouche. Tu as droit tant que tu n'agresses pas physiquement. Verbalement aussi. Des fois, si tu insultes quelqu'un pour rien, tu peux être traduit au tribunal. Calme-toi avec ta tête rasée là, hein, papa. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu as toi aussi avec ta tête rasée là. Voilà. Donc, ce sont les choses les plus importantes que nous avons et que nous aimerons, je pense que c'est le conditionnel, nous aimerions aussi que vous puissiez vous battre, que vous puissiez avoir ces droits. C'est pour cela qu'on se bat pour ça ici. On ne se bat pas parce qu'on manque quoi manger. On se bat pour que les mêmes droits soient rétablis en Afrique. Étant donné que l'Afrique... c'est la mère de la nation, la mère de tous les continents, de ce globe terrestre, parce qu'il doit en avoir d'autres continents.
J'ai vu qu'ils sont en train de chercher maintenant à aller habiter à la Lune. Si c'est pour habiter à la Lune, si c'est pour habiter où? Mais pour le moment, nous sommes sur Terre. Cette Terre-là, nous sommes nés dedans. Nos placentas sont enterrés sur cette Terre des hommes. Et donc, aujourd'hui, c'est la seule Terre que je connaisse. Voilà. Donc, vous savez bien que mes vidéos sont tiraillées à gauche, à droite. Les gens sont perdus. Si c'est mon Eliane qui est ouvert, les gens cherchent mes vidéos et ne trouvent plus. Si c'est Ngolo Eliane, ils cherchent et ne trouvent plus. Donc, je suis obligé de faire un autre système que je viens d'adopter. Donc, vous pouvez me patienter un peu. Pour ceux qui sont déjà prêts, normalement, je n'étais pas censé faire tout de suite la vidéo. Mais je vois que tout le monde se positionne à partir de 20h. Comme je suis la maman, je dois toujours faire la place aux enfants. Voilà. Mais j'ai aussi ma catégorie de personnes qui aiment m'entendre. Je ne peux pas laisser que les enfants parce qu'on n'a pas la même façon de réfléchir. L'important, c'est que nous tombons sur le même fleuve. Ça veut dire que c'est une embouchure. Que si nous tous on tombe, on se jette sur la Sanaga ou dans le Vori. Le plus important, c'est ça, que nous arrivons au résultat. Mais chacun peut, quand on pose une équation, chacun peut poser à sa manière. L'importance, parce que j'ai souvent entendu ça à l'école, l'important, c'est d'arriver au résultat. Voilà. Donc, je ne peux pas blâmer celui qui dit quoi, celui qui dit quoi. C'est compliqué parce que le vrai problème de l'Afrique, c'est celui dont j'ai parlé hier. Avant-hier, je crois. C'était avant-hier. C'est le vrai problème que nous avons en Afrique. Si nous finissons avec ce problème, il n'y aura plus jamais de problème. Donc, ça ne sert à rien d'apporter des excuses à Toto Tirenama, X, Y, plus Z. Non. Le seul gros problème, c'est ça. Donc, les personnes qui détiennent ce problème, ce sont les Français. Si les Français nous collaient la paix là-dessus, il n'y aura plus de problème. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher des excuses. C'est comme moi, au début, j'ai cherché des excuses à Chantal Biya. J'ai tellement cherché des excuses. Je croyais qu'elle était naïve. Je la connais avant qu'elle était naïve. Maintenant, elle a grimpé de 5 rangs d'un coup. Du coup, elle n'est pas naïve, elle nous malmène, elle nous fait comme si on était des pions. Donc, il ne faut jamais dire que je connais quelqu'un. Donc, arrêtez de prendre le côté de la France comme si c'était des adolescents. Les Français eux-mêmes en ont marre, les Français eux-mêmes. Moi, je parle avec les Français tous les jours, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol de cette situation. Ils sont dépassés. Moi, je vis avec les Français jour pour jour depuis 25 ans. Je ne traite pas avec mes frères africains. On se voit, je vais acheter la nourriture, je vais acheter quelque chose, mais ça se voit juste quelques heures, quelques minutes. Mais ma vraie vie, c'est avec les Français depuis 25 ans. Donc, ne me dites pas que on leur dit les choses que nous... Non, non. C'est que le gros problème que nous devons abattre, c'est celui-là. Le Francafrique. C'est lui le problème, le vrai. Et donc, tant que nos dirigeants ne comprennent pas que nous avons grandi, nous sommes plus cons, c'est fini. Nous sommes là pour finir avec ça. Nous devons tous nous lier là-dessus, pour le moment. Abattons ce gros serpent-là pour que ça tombe. Dès qu'il y a cette chute, après on saura qui est qui fait quoi. On s'en fout du reste. Mais M. Kamto là où il est là, il est juste là en train de nous aider. Ce monsieur ne manque de rien. Il ne manque de rien. Et il n'est même pas le style d'homme qui veut protéger une tribu ou quelque chose. Est-ce que Biya même nous a d'abord protégés? Est-ce qu'il a protégé les boulots? À part les Koulmondji, est-ce qu'il avait choisi pour travailler avec lui? Est-ce qu'il avait protégé les boulots? Arrêtez de parler bête. J'aime pas qu'on parle bête. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur de ne plus avoir les papiers.
Si tu n'as pas les papiers en France, tu viens en Allemagne, on te donne les papiers, ou tu vas en Italie, on te donne les papiers. Tu n'es pas obligé d'avoir les papiers français pour rester en France. Tu peux aller en Belgique, en Allemagne, ailleurs, dans un autre État. Tu as les papiers, et si tu veux vivre en France, tu vas vivre en France avec ces mêmes papiers. Donc, quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Donc, il faut me parler l'histoire, il faut parler le problème là où il est. Il faut abattre l'arbre à la tige. C'est ce que je suis en train de faire. Abattre l'arbre à la tige. Donc, si tu ne vas pas abattre l'arbre à la tige pour dire que tu vas couper les branches, ça sert à rien parce que les branches repoussent. Voilà. Vas-y. Non. J'ai mis au salon depuis. Bah oui, tu étais en train de papoter avec notre fille là. Ah. Oui, oui, j'ai mis au salon. Je ne sais même pas si c'est encore chaud, hein, ton nom. Non, je ne sais pas. Allez. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas couper l'arbre sur les branches. Ça ne servira à rien. À rien du tout. Si tu coupes la branche, l'autre branche repousse immédiatement. Il faut abattre l'arbre là où, à la souche. La souche. Voilà. Je vois plein de mes vidéos qui traînent à gauche, à droite, et moi-même, je n'arrive plus à entrer sur mon compte pour retrouver mes vidéos. Mais pourtant, je vois plein de mes vidéos qui sont distribuées à gauche, à droite. C'est bizarre, hein? Et moi-même, quand je voudrais aller au plus profond de ce compte, je ne le trouve plus. Alors, on est en train de dire qu'on devrait avancer tous dans le même sens. Il y en a qui prennent des raccourcis, ceux qui prennent les lignes directes comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime le direct. Ça veut dire que je n'aime pas les choses tordues. Je suis quelqu'un d'honnête. Je suis né comme ça. Je ne peux pas changer. On ne peut pas changer quelqu'un à la cinquantaine. Voilà. Moi, je suis une femme de valeur, de conviction. Et je dis ce qui est vrai, je ne parle pas de mensonges. Les gens qui doutent de ce que je dis, tu vas vérifier au plus près. Et c'est souvent dommage quand vous venez me dire après, oui, tu avais raison. Habituellement, je ne réponds même plus. Souvent. Parce que avant que je parle quelque chose, je vérifie. Je prends le temps. J'essaie de comprendre. Je ne parle pas au pif. Voilà. J'essaie de faire un autre système parce que les gens n'arrivent pas à voir mes vidéos. Donc, j'ai trouvé un autre système que j'essaie de mettre en valeur. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, vous pouvez vraiment attendre un peu. Ceux qui sont pressés peuvent aller se balader dans d'autres trucs. Mais je commence dans 10 minutes. Pour le moment, c'est des petits divers. Voilà. Donc, on parle de l'arbre. Comme on dit, tu ne peux pas te mettre à nourrir ton enfant dans la bouche tous les jours. Il va bien falloir un moment lui laisser lui-même mettre la main dans sa bouche pour qu'il sache comment ça se passe. Même si tu n'es pas né dans une famille, tu vois comment, quand l'éléphant accouche son enfant, nous voyons tous les images à la toile, il y a toujours les animaux, tu vois comment l'éléphant apprend son enfant de mettre la nourriture dans sa bouche. Hein? Même la poule, même les petits poussins. À un moment, tu l'apprends à mettre lui-même dans sa bouche. Et c'est facile après pour tout le monde. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié leur vie. Hein? À chercher la vie des autres. À un moment, il faut arrêter. On ne peut pas continuer à faire les Western Union, les Monogram. Il y a même des endroits, quand tu t'en vas encore pour donner, maintenant, on te dit que tu as trop donné. Tu ne peux plus. Vous vous rendez compte? Les familles africaines sont très grandes. Donc, du coup, on ne peut pas. On ne peut pas continuer là-dedans. On abat l'arbre à la souche. On a trouvé la souche. On ne savait pas d'où se trouvait la souche. Maintenant, on sait. On avait des murmures avant. Maintenant, la vérité est sortie. Vous attendez quoi pour avancer dans ça? Vous attendez quoi? Au lieu de venir me raconter d'autres histoires à dormir debout. Il n'y a plus d'histoire à dormir debout. L'histoire est là.
La réalité est là. Voilà. La réalité est là. Il va falloir hein, que nous tous on s'y mette. Si on s'y met tous, vous verrez que les choses vont changer très vite. Les choses vont bien changer. Voilà. Arrêtez de manger la bouche. Et puis, je viens d'avoir les gens qui m'appellent à nouveau du Koweït et qui me parlent des gens qui ont pris l'argent. Qu'il y a certaines parmi nous qui ont pris l'argent parce que on les achète. Je dis seulement, moi, j'ai rien contre ça. C'est votre problème, c'est votre vie, mais pas la mienne. Mais je demande, si on t'achète aujourd'hui, ton enfant et ton petit-enfant, on va aussi les acheter. Tu penses que les 50 millions qu'on te donne aujourd'hui vont aller arriver où? Nulle part. Nulle part, parce que c'est des biens mal acquis. Quand c'est des biens mal acquis, ça finit comme le... C'est comme si tu fumais une cigarette. C'est la fumée. Ça va trop vite. Trop vite. Ça ne sert à rien. Vous faites des bêtises que vous ne devriez plus faire. L'histoire qu'on veut abattre date depuis 1961. Vous vous rendez compte? 1961. Il est temps que les choses changent pour que l'avenir revienne normal. Nos parents n'avaient pas autant d'argent, mais ils avaient quand même une vie stable, noble. Donc il est temps que les choses changent. Je suis désolé. Je suis une personne où moi, j'ai mes convictions et je suis tenace quand je veux quelque chose. Quand je dis que je fais quelque chose, vous pouvez tous prendre de l'argent de côté comme vous voulez, sauf moi. Je ne prendrai pas. Parce que j'ai toujours appris à respecter la parole. La parole, la parole, la parole. Femme de parole, femme de conviction. Quand tu as promis aux gens que tu vas leur montrer que voici le droit chemin. Tu n'as pas le droit d'aller prendre l'argent de côté. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Donc quand j'essaie de suivre plusieurs vidéos, je vois beaucoup de personnes qui évitent ce sujet, qui est le vrai sujet du Cameroun. Qu'est-ce que vous appelez, même si on met M. Kamto aujourd'hui, et que le même problème est là, il va revenir ce problème. Il reviendra. Puisqu'à la base, le problème, il est à la base, c'est un problème, c'est comme une chaîne. Ça enchaîne tous les chefs d'État africains. Ça enchaîne tous les chefs d'État africains. Donc, il faut voir les choses en face. Si on n'abat pas la souche, on ne pourra pas s'en sortir. Monsieur Kamto, il va faire combien d'années? Il va faire 5 ans. Parce qu'il avait dit qu'il va ramener le droit de comment ça s'appelle? Parce qu'ils ont triché pour mettre à 7 ans, il a dit qu'il va ramener le mandat à 5 ans. Donc, s'il reste 5 ans et qu'il s'en va, et qu'on remette les mêmes sardinards, on repart à la même chose. On repart sur le même départ. Donc malheureusement, moi je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on abatte l'arbre à la souche. Que ça nous coûte quoi, que ça nous coûte quoi, qu'on abatte cet arbre à la souche. Obligatoirement. Voilà. Donc à vous de mettre votre vidéo, vos vidéos là où ça blesse et là où il y a le problème. Parce que je peux vous rassurer que même les Français même en ont marre. Même les Français en ont marre. Dites-moi, en France, où est la stabilité aujourd'hui? Tu vas entrer dans ton appartement, l'odeur de drogue te croise d'abord à la route. Ça veut dire qu'avant, dès que tu descends du train, à peine tu arrives devant ta cour, les gens fument déjà le banga jusqu'à ce que l'odeur même peut te renverser par terre. Tu te rends compte que ces gens-là, après avoir fumé le bang, ils peuvent te violer à tout moment. Hein? Donc, il n'y a plus de stabilité. Il n'y en a plus.
Donc la France aussi en a marre. Ce n'est pas tous les Français qui volent. Ce ne sont pas tous les Français qui sont dans le capitalisme. Ah non, c'est une quantité. Et ça, il faut que tout le monde s'y mette maintenant pour que les choses changent. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais rappeler à mes enfants qui font les vidéos. La marche, c'est demain, c'est beau. C'est même très beau. Mais la souche est là. La souche, elle est là, elle est visible. Abattons-nous à cette souche-là. Rabattons-nous tous dessus. Pour que les choses changent dans notre continent. Parce que sinon, vous allez seulement entendre que cette partie du monde appartenait aux Noirs. Et dans bientôt, hein, comme ils ont fait avec les gens de... Les Chinois ont fait avec les qui là? Comment ils s'appellent encore cette race-là? On les a tous chassés de leur propre continent. Comme l'Afrique du Sud, comme partout, hein. Qu'on continue à rester là, vous allez voir. Et c'est là, à esquiver le problème. Aïe, aïe, aïe. Un Français qui prend le RSA, même la retraite à 1000 euros, comme il disait là, je suis bien ici. C'est normal qu'il soit bien là. Puisque le loyer, la villa va lui coûter combien? 500 000 au maximum. Et comme nos soeurs sont souvent un peu bêtes, comme moi-même je l'étais, quand j'ai vu un blanc en Afrique, j'ai cru que c'était Dieu. Non, moi je ne suis pas allé jusque-là. Mais j'ai dit, voilà mon sauveur. Du coup, lui, il m'a eu, après avoir ramassé l'argent au Gabon, ramassé. Dès que nous sommes arrivés en France, il m'a abandonné. Il est parti avec tout l'argent. Il a compris que j'étais naïve. Parce qu'en partant de l'Afrique, j'aurais d'abord pu au moins acheter une maison ou acheter quelque chose d'important qui me permettait de savoir que même si on se séparait, je n'avais pas trop perdu. Mais non, moi j'y ai pas pensé. Et lui, il y pensait. Hein. Donc, quand ils viennent habiter là, ils disent que la vie est moins chère. Imagine qu'il prend 1000 euros de retraite par mois. Oui, vous allez acheter une maison, ou vous allez acheter le terrain à Kribi, vous construisez tous les deux. Mais va dire en blanc de sortir de sa maison au pays. Va dire ça. Si ce n'est pas les bandits qui vont te récupérer pour te faire ta fête. Va dire en blanc au pays C'est bon, j'ai fait 10 minutes, je vous ai dit, j'ai fait 10 minutes. Attendez, il faut que je teigne ça parce que ça va brûler. Voilà. Va dire au blanc au Cameroun. Va lui dire que la maison que tu as construite là, tu vas sortir de cette maison parce que je suis chez moi. Ouah. Vas-y, tu me montres comment tu fais ça. Je ne sais pas comment tu fais. Donc, il faut être un peu intelligente. Nous autres, on était naïfs. Donc, maintenant que vous voyez que nous sommes en train de vous parler, on est en train de vous dire que les choses ne sont pas comme vous voyez. Arrêtez souvent de dire que si c'était bien, vous-même, vous ne serez pas. Pourquoi vous êtes là-bas? Ceux qui ont dit ça, ils sont en train de dormir en pleine neige. Là, dehors, là, il a arrêté. La neige vient de s'arrêter. Je peux vous dire, si j'ouvre la fenêtre, regardez, j'ouvre la fenêtre, vous allez voir comment je respire. Regardez. Regardez. Vous voyez? Les gens dorment là-bas. Dehors. Ils dorment là-bas. Aïe. Il n'y a que le froid tape les pieds là. Les gens dorment là-bas. C'est-à-dire, nous sommes à moins 4, moins 5 degrés. Je ne sais pas combien il y en a combien de degrés il y a dans vos congélateurs au pays. Les gens dorment là-bas dehors. Donc, quand on te dit que ma sœur
Attention, ça c'est une bosse. Fais attention. Cette bosse-là, elle peut te faire du mal. Et toi, tu lui dis quoi? Non, ce n'est pas une bosse. C'est une bosse-là. Hein? C'est quoi? Tu ne sais pas. Donc maintenant, il va falloir que... Mais j'ai bloqué ce type aujourd'hui, non? J'ai bloqué Ngwabalala, Célestin. Tu as tous les noms du monde. Tu as un faux profil. Tu viens me parler. Tu n'as pas de femme. Tu ne peux pas parler avec ta femme. Tu manques du travail. Ok. Tu manques du travail. Si c'est moi que tu calcules, il faut dire que tu as... Il faut oublier. Il faut oublier. Si ce n'est plus vraiment... Parce que ça devient une obsession pour toi. Dès que je me mets en ligne, tu viens me parler en boulot. Je ne veux pas. Voilà. Donc, ce soir... Bonjour Irène, ça fait longtemps que je n'étais pas, j'ai pas pu te donner, envoyer les vidéos parce que ce compte était bloqué. Il s'est libéré il y a 2 jours. Parce que c'est ce qu'ils font avec moi. À chaque fois, ils bloquent un compte. Le temps que j'envoie la demande à Seattle que je suis bloqué, ça prend du temps. Voilà. Donc, je vous disais que... Les gens dorment dehors, en Europe. Plus honnête que moi, vous n'en aurez plus. Les gens dorment dehors, ils n'osent pas vous en parler. Les gens mangent les cacas dans les foyers, beaucoup. Ils n'en parlent pas non plus. Parce que beaucoup ont honte. Vous comprenez? Beaucoup ont honte. Bonsoir. L'arbre que nous cherchions depuis longtemps, nous avons retrouvé la souche. Nous tous, nous devons nous lever. Ça, c'est bien. Pour le faire demain, que ce soit dans les rues de partout, n'importe où, là où le Camerounais se trouve, il se lève. S'il a un drapeau, il le hisse. Nous avons trouvé la souche de notre vie pourrie. J'ai vu que cette histoire a battu beaucoup de Camerounais. Beaucoup d'Africains même, depuis avant-hier qu'on a parlé de ça, beaucoup sont abattus. Ils n'ont même plus de mots. Ils ont du mal à poser des questions. C'est vrai que quand on vous tape une balle dans le front, tu recules d'abord, tu t'assois et puis tu réfléchis. Nous avons... la balle dans notre camp aujourd'hui. Beaucoup de Français même sont abattus. Ils ne s'attendaient pas. Parce que depuis que j'essaie de parler ce problème, on m'a séquestré les comptes. On m'a arraché les paroles dans la bouche. On a tout fait de mes vidéos. On les a secouées. On les a tamisées. On les a séquelés, on a tout fait. Ça dit surtout, il y a certaines vidéos, quand je m'en vais encore revoir la vidéo, je n'entends même pas le sens de la vidéo. Tellement qu'ils ont aspiré les paroles qui donnent le sens à la vidéo. La balle est dans notre camp. Écoutons ceux qui s'y connaissent mieux. Monsieur Kamto est très bon dans la loi. Et c'est justement ça qui fait peur aux Français.
Arrêtons de dire que toi tu es du MRC, toi tu es du RDPC, toi tu es des machins, machins, machins. Il y a beaucoup. Abattons d'abord le serpent. Finissons d'abord avec ça. Avant de venir dire que tel est ceci, celui-là est ceci. J'ai dit ça depuis le début de mes vidéos, s'il vous plaît. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Maintenant que nous savons d'où sort la misère de l'Afrique, quand vous allez marcher demain, pour ceux qui pourront écrire sur les pancartes, parce qu'il y a sûrement quelques-uns qui sont autorisés à écrire, si vous ne pouvez pas en Afrique, ceux qui vont défiler ici, le plus gros problème, c'est la lutte contre le Francafrique. C'est le plus gros problème de tout, le problème du siècle. Si nos présidents ont la possibilité d'avancer sans cette mafia, je ne pense pas qu'ils seront aussi cons qu'ils sont aujourd'hui. Donc, levons-nous et disons non à ce Francafrique-là. Ce sont les braqueurs de fonds. Ils nous volent. C'est du vol. Je vous dis que même Jacques Chirac a dit que ça suffit. Même Jacques Chirac a dit ça. J'ai encore vu un autre Français, je n'ai pas gardé son nom, hier, qu'on a interviewé, Pujadas. Qui a interviewé ce monsieur, je ne connais pas son nom, qui a dit que c'était les histoires des colons. Ça ne doit plus exister aujourd'hui. Ça ne doit plus exister. Finissons-en avec. Et mettons le président qui mérite. Après. Après, on saura faire tous les 5 ans renouveler un président. On saura le faire. Et je pense que si nous ne faisons rien maintenant, ça ne sert à rien d'accoucher. Si nous ne faisons rien, nous, maintenant, ça ne sert à rien d'accoucher les enfants qui vont venir souffrir 2 fois plus que ceux qui souffrent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on prend les enfants qui sont en train de traverser la mer? Vous croyez qu'on fait quoi d'eux? Ils lavent les assiettes dans les restaurants ici au noir, sans repos. C'est de l'esclavage. Vous appelez ça comment? Ça veut dire qu'un Européen gagne 7 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure. Lui, il n'a pas de papier, il n'a pas de choix parce qu'il faut à tout prix qu'il s'en sorte pour qu'il vive. Alors on va lui proposer 5 euros de l'heure. Il va accepter. On va lui interdire d'aller en vacances parce que il n'y a pas un contrat qui lui lit, qui dans le contrat te dit ce que tu as droit, ce que tu n'as pas droit. Maintenant, lui, il n'a pas ce contrat. Donc, il n'a pas droit. Il n'a pas les mêmes droits que les gens qui ont contrat de travail. Vous comprenez? Travailler au noir, c'est ce que ça veut dire. Donc, il ne peut même pas se plaindre si jamais son salaire ne tombe pas. Il va se plaindre où? On appelle ça aussi de l'esclavage. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, raisonnons-nous. Essayons de redescendre sur terre.
J'interpelle les gens qui ont mon âge à peu près et ceux qui nous suivent, les cadettes. C'est à nous de leur montrer que nous pouvons sortir. J'ai dit au revoir à mes enfants. Je leur ai dit, si je tombe, ce n'est pas grave. Je fais mon travail pour vous libérer, vous. Donc, c'est à nous. Appelle ta voisine. Dis-lui, explique-le lui très bien, en mots qu'elle peut comprendre. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas bien le français. Explique à ton voisin. Dis-lui que maintenant, nous luttons pour nos enfants. Parce que nous, on a passé une vie de merde. Vous entendez qu'on nous estoque les fonds depuis 1961. Je n'étais pas née. Je n'étais pas née. Ce qui fait que c'est dangereux pour nos enfants. C'est dangereux pour nos petits-enfants. Est-ce que vous voulez que l'esclavage recommence? Parce que ce qu'on vit déjà là, c'est de l'esclavage. Est-ce que vous voulez la qualité qu'on enchaîne de force, comme on est venu chercher nos aïeux, avec des chaînes? Ce n'est pas différent. Parce qu'ils sont enchaînés en Libye avant d'arriver ici. Sur 100, il y a 10 qui arrivent. J'ai décidé de vous parler posément aujourd'hui. Et ceux qui vont insulter, je vais juste lui bloquer. C'est tout. Je n'insulte personne. Vous-même qui avez l'argent, qui volez l'argent en Afrique, qui venez vous cacher dans les pays, est-ce que c'est une vie ça? C'est dommage qu'il fait déjà nuit dehors. Je voulais vous montrer comment la neige tombe. Un vieux de chez nous, moi-même, je suis venu en France à 29 ans. Le froid là, il n'y a pas de s'habituer comme nous on s'habitue avec le soleil. Le froid, personne ne s'habitue avec, même pas le blanc s'habitue avec son froid. Comment vous pouvez venir ici avec cet argent pour dire que vous allez vivre? Vous allez vivre comment? Réfléchissez un peu. Il n'y a pas de vie ici. Les maisons de retraite ici ne se mélangent pas avec les noirs. C'est rare. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Tu as l'habitude de manger le piment. Si tu vas à la maison de retraite, va voir d'abord, avant d'accepter de vivre là. Vas-y faire un tour pour voir comment ça se passe quand on partage la nourriture quand tu es à la maison de retraite. Même les Antillais retournent chez eux. Dès qu'elle voit déjà 60 ans, elle prend son bagage, elle rentre aux Antilles. Quand vous fuyez à 60 ans, à 70 ans, pour venir en exil à cet âge-là, vous allez faire comment? Moi, j'ai même pitié de vous. C'est la pitié. Je vous assure, j'ai pitié. Vous avez fait une très mauvaise chose. Vous avez gardé un secret. Un très mauvais secret qui a fait que toute l'insolence que nous avons aujourd'hui et tout le radicalisme que nous avons aujourd'hui, si vous nous avez expliqué le truc comme aujourd'hui l'Italie l'a dit, on ne serait pas là. On aurait trouvé des solutions. Parce que nous fréquentons, nous allons à l'école. Des sujets comme ça, c'est des sujets qu'on pose à l'université pour les débats, pour débattre, pour le Parlement même. Moi-même, j'ai été déjà au Parlement de Strasbourg. Je sais quand tu as un bon sujet comme ça, même si on ne t'attend pas, tu entres, tu fais éruption.
et tu craches ton sujet. On ne va pas te tuer. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Mais c'est quel niveau de peur que vous avez en Afrique? Est-ce que vous avez été élevé par Hitler? Hein? C'est quel niveau de peur que vous avez eu? 61 ans de... 58 ans de pillage. Et vous avez gardé un secret comme ça. Jusqu'à ce que vous êtes obligé d'entrer dans les sectes parce que vous avez peur de parler d'un sujet. Vous croyez vraiment que nous sommes nés mal élevés, mal éduqués comme nous le sommes aujourd'hui contre vous? Aucun Africain n'oublie son éducation, même s'il se retrouve au Japon. Il se souvient de l'éducation qu'il a reçue. Mais vous avez été trop loin. Vous avez été trop loin avec nous. Vous avez été trop dur. Vous avez été trop mauvais. Juste pour protéger vos intérêts. Alors, nous sommes devenus vos ennemis. Nous ne sommes plus vos enfants. Nous ne sommes plus vos enfants. Vous devriez vous asseoir comme ça et réfléchir. Comme il y en a plein dans la présidence que je sais qui passent le temps à regarder mes vidéos. Beaucoup. Je n'ai pas envie de parler des noms. Je connais beaucoup qui regardent mes vidéos. Vous devriez vous en vouloir à vous-même, pas à nous. Si nous, on ne travaille pas, vous ne mangez pas. Les familles ne mangent pas. Mais une seule personne est capable d'avoir des centaines de millions dans son compte. Vous ne comptez même plus en millions. Vous comptez maintenant qu'en milliards. Pendant que tu vois l'enfant de ta soeur manger les cacas, tu vois l'enfant de l'autre ramper dans la poubelle sans la couche aux fesses. Aïe! À quel niveau vous êtes arrivé? C'est donc pour cela que je viens appeler mes mères, mes tantes, mes sœurs, mes cousines, mes enfants. Il est temps. Si je vous vois vous lever, je peux vous jurer que je me lèverai, même s'ils vont charger le fusil à pompe pour me tirer au Parlement si jamais ça ne marche pas vite. On est déjà allé à l'ONU. Ça n'a pas bien marché à l'ONU, mais maintenant, au moins, j'ai une épaule où m'accrocher. J'ai au moins une épaule où m'accrocher. Avant, je suis partie toute seule, sans savoir qui va faire quoi, qui va me chasser, qui va me tuer. J'ai fait les problèmes au temps de Chirac, j'ai fait les problèmes au temps de Sarkozy. Je n'ai pas fait les problèmes au temps de Macron et l'autre, tu sais. Oui, je sens un peu. Et ok. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, oui. Moi, là où vous me voyez, là, je ne suis pas riche. Mais je mange tous les jours. Mais je peux vous dire que si on me dit d'aller décrocher la lune, c'est la seule force que Dieu m'a donnée. J'ai un courage de feu quand je sais que j'ai raison. Quand je sais que j'ai raison, je n'hésiterai pas. Dieu le sait ce que je suis en train de vous dire.
Je suis même capable de faire irruption même dans l'église pour stopper la messe. Si c'est de ce sens-là qu'il y a le problème. Donc, je pense que si vous envahissez les routes demain, envahir, je dis bien envahir toutes les routes. Si tu ne peux pas aller à Yaoundé, des fils chez toi, dans chaque petit village, il y a une ville à côté. À remplissez les routes, quitte à ce que vous vous asseyez par terre. Les taximans ne vont pas sortir. Les mototaxis non plus. Je vous dis, les mototaxis ne sortiront pas. Les taximans non plus. Asseyez-vous même sur la route, vous vous asseyez là par terre. Asseyez-vous. Si vous ne pouvez pas aller loin, asseyez-vous par terre. Tu mets le kabangono, tu t'assois par terre. Parce qu'il s'agit de ton argent. L'argent qu'on pille, c'est ton argent que tu devais manger avec, que tu devais acheter ton pétrole avec, tu devais élever ton enfant avec. Les écoles n'étaient pas payées en Afrique. Chaque jour, quelque chose s'ajoute. Les écoles n'étaient pas payées en Afrique au temps des Allemands. Et même la première partie de la France, il n'y avait pas, les écoles n'étaient pas payantes. Aujourd'hui, les écoles, il faut payer. Les médicaments, il faut payer. Tout, même les enfants, les filles qui accouchent maintenant, elles peuvent même plus sortir de l'hôpital si elles n'ont pas pu payer. Elle est enfermée. Elle devient esclave avec le bébé. Faire un bébé, c'est une joie. Comment faire un bébé devient maintenant une prison? Donc, ils font tout pour tout, pour mettre tout et partout pour trouver comment voler l'argent. Voler, à voler, imposer les barrières sur les pourries routes qui n'ont même pas de route. Et voilà les accidents tous les jours. Voilà les voitures qui tombent à gauche, à droite, il n'y a pas de route. Mais pour venir voler, il y a de l'argent. Est-ce que vous-même, même si vous n'étiez même pas intelligent, n'est-ce pas, vous voyez vraiment que ça ne va pas? Ce n'est pas normal. Quand tu payes l'argent à l'État pour les impôts ou bien tout ce qui va avec les taxes, c'est de 1, pour faire les routes, de 2, l'assainissement d'eau, 3, électricité, 4, tout ce qui est papier, carte d'identité, tout ça, l'argent que vous payez devrait assurer tout ça. Maintenant au Cameroun, le passeport a combien de prix? Il y a le premier prix, 300 €. Il y a le deuxième prix, 250 €. Ils ont mis la banque à la douane. Maintenant, même les bateaux des autres pays africains ont refusé d'accoster maintenant au Cameroun. J'ai vu l'autre jour, le seul avion qui nous reste, ils poussaient l'avion là avec les mains. Depuis que vous êtes nés, vous avez vu quelqu'un qui pousse l'avion avec les mains pour que l'avion décolle. Même pas dans les films. J'ai vu ça un matin, on m'a envoyé. On m'a envoyé ça un matin, je vous dis, je n'ai pas rien. J'ai pleuré. Parce que vous et moi, on ne voit pas les choses de la même façon. Ma mère était hôtesse l'air. Elle a travaillé à Cameroun et à Lens. Ce qui faisait que dans notre famille, on avait la réduction pour prendre l'avion. Moi, je n'ai pas pris parce que j'étais petite, j'avais tellement peur. Mais c'était beau, c'était propre, c'était élégant, c'était très élégant. C'est dommage qu'à cette époque, on n'avait ni les portables, ni les téléphones, c'était pour les riches.
Ça veut dire que c'est souvent quand je parle comme ça que quelques anciens blancs m'envoient les anciennes images. Et tout ça, c'est dans mon ordinateur. On était bien. On s'aimait. On n'avait pas de problème de haine. Donc, il est temps qu'on reconstruise le Cameroun. On refait tout à zéro. Levez-vous. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. J'ai voulu vous partager l'image. Comme j'avais partagé deux fois, ils m'ont bloqué le partage. Je vous dis qu'ils me limitent en tout. Parce qu'ils savent que beaucoup d'entre vous me suivent. Pour voir comment tout le Venezuela est sorti. Ça fait un moment que ces gens souffrent. Avec un président, je ne sais pas comment. Les gens font des kilomètres pour aller chercher un kilo de viande. Des kilomètres pour aller chercher du carburant. Le Congo, ça s'est fait devant eux. C'est juste à côté là. Le Congo est juste à côté. Mais moi, je dis un pays qui est pauvre là depuis 2 ans. Les gens, même pas qu'ils sont tellement pauvres, c'est qu'un président qui a vraiment, où on lui a fait comment, qu'il a décidé de faire souffrir la population, comme il a fait avec vous là. Mais tout le monde est sorti, hein, je vous dis. Hein. Même les chiens sont sortis. Regardez bien dans mes images, vous verrez un endroit où on pousse cet avion avec les mains. Le seul avion qui reste du Cameroun. C'est même pas qu'il lui a donné un vilain nom comme ça. Camerco, ça veut dire quoi? Hein? Camerco, ça veut dire quoi? Ça, c'est des noms des villageois. Ils sont tous à Irène. Tous les Vénézuéliens sont sortis. Ils sont sortis avant-hier. Tout le monde est sorti. Je dis, hein, on m'a envoyé la photo, un drone qui a filmé en hauteur. Mais les gens, c'était comme des mouches. Quand vous sortez comme ça, il n'y a personne qui a la force de vous tirer ou bien d'envoyer même quoi que ce soit. Mais si vous laissez une petite quantité sortir, c'est là où il y a le problème. Si tout le monde sort, les routes sont noires. C'est tout. Nous avons dit qu'on fait cette guerre sans les armes, nous. Alors, adaptez les choses qu'on vous dit de faire. Vous ne voulez pas. Les gens sont trop morts déjà. Maintenant, on vous donne des astuces. Ça veut dire sortir. Si vous voulez, voyez quelqu'un qui veut tirer, vous vous asseyez par terre. Personne. Le monde entier vous suit. Il y a les satellites. Je peux vous dire, il y a les satellites américains, il y a les satellites allemands, là où vous voyez là. Tout est suivi à un micron près. Il y a les satellites des États-Unis, il y a les satellites de Londres, il y a les satellites allemands. S'il n'y en a pas des Français, on s'en fout. Parce que c'est eux le chef-lieu de la tête des problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, tous les mouvements sont décortiqués, surveillés. Exécutez seulement comme on vous dit de faire. Tout le monde est debout. Maintenant, dès qu'on essaye seulement de faire quelque chose ou léger de lacrymogène et tout, on vous a dit qu'il faut prendre du vinaigre avec vous, 1 litre d'eau avec vous, les mouchoirs avec vous. Si seulement quelqu'un bouge,
Si vous voyez que quelqu'un est en train de bouger, à terre, vous tous, à terre. On ne tire pas sur quelqu'un quand il est posé par terre. Même comme ils sont des sauvages, les satellites sont en haut. Je vous dis, une erreur, la riposte est solide. Ils vont apprendre à conjuguer le code. Parce que tout ce que vous voyez qu'on fait ici, ce n'est pas tombé par terre. Ce n'est pas tombé par terre. Nous embêtons les Européens chez eux. Et ça ne tombe pas par terre. Parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Ils n'ont pas cette habitude qu'on les embête autant. Donc, du coup, ils sont prêts à résoudre le problème. C'est pour cela que vous avez vu qu'on me bloque les vidéos. On fait tout ce qu'on voulait, mais ils ne savaient pas que... Moi, j'avais déjà d'autres astuces avant. Ils ne savaient pas. J'avais une longueur d'avance. Et vous verrez bien que dans tout ça, il y a mes sœurs Boulou qui viennent me dire... Ma camarade, je ne te reconnais plus. On était d'abord camarades. J'ai arrêté l'école en Afrique à mes 17 ans et demi. Tu m'as revu depuis quand? Avant de me connaître. Il n'y a que des cons qui ne changent pas d'avis. Je ne peux pas continuer à voir la population mourir et je vous vois, vous, venir jeter l'argent en l'air en Europe. Et moi, je me tais parce que je suis Boulou. Je vous ai déjà dit ça maintes fois. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Mon éducation n'est pas dans ce sens. On m'a appris à partager. Quand je mange, je partage. Si seulement vous n'avez pas, j'allais dire que nous tous, nous sommes des pauvres. Pas que vous prenez l'argent, vous venez jeter ici, pendant que les autres meurent de faim, et je m'assois, j'applaudis, je dis rien. Ah non. Ah non, hein. Vous avez fait une très fausse route. Et vous verrez même que ceux qui ne s'intéressent pas à ça, même si sont mes propres sœurs, qui viennent faire leur pub aujourd'hui parce que je suis quelqu'une que beaucoup de gens regardent, je bloque. Je vais là où il y a ton truc, je t'enlève dans mon groupe. Parce que si c'est pour venir chez moi, pour penser qu'à ton ventre, et que moi je suis là pour une cause du peuple, je vais là où tu as fait ta pub là, j'entre dans ton Facebook, je te bloque, je te retire de tous mes groupes. C'est cet esprit univers, c'est cet esprit là que je suis en train de lutter avec. L'esprit de manger sous le lit. Et oublier que les autres aussi ont faim. Donc ne viens pas chez moi pour venir profiter de faire ta pub des perruques ou faire ta pub de quoi que ce soit. Un homme averti en vaut deux. Mon but, ma bagarre, ce n'est pas dans ce sens. Ma bagarre, c'est qu'on puisse regarder dans les yeux. Pouvoir se partager un morceau de pain quand l'autre n'a pas. Tu essaies de lui trouver une solution. En Europe ici, pas mal de personnes se tendent la main. J'ai vu des gens jeter la nourriture dans les poubelles à Bastos. Alors que les autres étaient derrière leur villa, en train de ramasser par terre, raccommoder, pour trouver un beignet. C'est cet esprit-là que je bagarre avec, vous comprenez? Donc, si tu viens faire la pub sur mes pages, parce que c'est vu, parce que les gens sont en train de voir ça, et que toi, tu te caches parce que tu caches ton visage,
parce qu'on ne doit pas te remarquer. Pourquoi? Parce que hein, j'ai mon boulot, hein, j'ai mes enfants. Oh, je, ben, moi, on t'a dit que les enfants que j'ai accouchés sont des poupées. On vous a vraiment dit ça? Que mes enfants sont des poupées Barbie. Vous vous cachez pour faire attention à vos enfants, à vos maris, à vos frères. On vous a dit que les miens sont faits de tissu. Alors, si tu veux te cacher, tu ne viens pas faire tes pubs sur mon profil, sur tous mes profils. Écoutez-moi bien ce que je vous dis là. N'importe qui va venir montrer son profil, ses dents ou ses fesses sur mon profil, je prendrai tout le temps que j'aurai pour qui aura la possibilité de prendre pour bloquer, aller carrément dans son Facebook et le bloquer. Nous sommes en train de nous battre là pour que les choses changent, pour que le Cameroun redevienne celui que les gens enviaient. Les gens quittaient de partout pour venir faire les études au Cameroun. Les gens venaient de partout, ils aimaient les Camerounaises. Ils aimaient voir le Cameroun. Ils aimaient l'harmonie qu'il y avait au Cameroun. L'entente. Quand un Douala sortait un morceau, tout le monde dansait. Quand le Bikutsi sortait, tout le monde dansait. Quand un Aoussé essayait de chanter, tout le monde dansait. Un Bamileke qui sortait un morceau, tout le monde dansait. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie que nous menons aujourd'hui? Vous appelez ça que c'est une vie? C'est ça qui chasse les gens comme moi, comme ça, d'aller plus loin, parce que je n'arrive plus à comprendre. Tu prends 100 000 francs, tu donnes à ton frère. Fais à manger pour tes soeurs et tes frères, tout le monde. Il prend, il va acheter le vianga, il va se cacher en bas du lit, il mange. C'est quoi ce Cameroun-là? Et moi qui vous donne? Vous croyez que moi, ça, cet argent ne me fait pas mal? Vous savez combien de jours je mets pour fabriquer une perruque? Ou bien le temps que je mets pour faire des soins sur quelqu'un pour gagner cet argent? Donc, on est obligé de vous sensibiliser de force. Ça veut dire que MoneyGram, Western Union et tout ça, ça ne sortira pas tant qu'on ne va pas voir vous-même vous battre pour montrer que vous en avez marre de cette situation. C'est à vous de nous montrer que cette situation vous fait mal autant que nous. Nous, on a déjà troqué nos papiers. Là où je suis là, j'ai troqué mes papiers. Je vous dis que si je me présente encore à la préfecture là-bas pour dire que je veux les papiers, ce sera... Ils vont... Vous connaissez même pas la France. Hein? Vous connaissez pas. Vous croyez qu'ils ne voient pas tout ce que je fais. Donc, il est temps. Il est temps. Il est temps. On ne peut pas continuer comme ça. Il y en a qui te disent, toi tu es en train de te battre pour tout le monde, pour que le Cameroun se stabilise. L'autre t'appelle et te dit, tu ne peux pas me trouver un vieux blanc là-bas. Vous êtes normal. Vous voyez comment ils luttent avec les blancs pour qu'ils nous lâchent là, qu'ils nous collent la paix, pour que les gens puissent respirer, pour que nous puissions vivre de nos propres moyens déjà. Même si on te donne un vieux blanc, si tu n'as pas les moyens, il ne va même pas te respecter. Le blanc, c'est donnant. Hein? Ce n'est pas les trucs que vous voyez en Afrique là. Ici, quand tu es avec un blanc, tu dois travailler. Hein? C'est donnant. Si un achète l'autre qui paye les factures, l'autre paye le loyer, ou bien l'autre paye ceci, c'est comme ça. Hein? Moi, je suis en train de me battre, je te dis que sensibiliser les gens, toi, tu me demandes de te trouver un vieux blanc. Vous croyez que j'ai ce temps-là? Quand le vieux blanc même me regarde, il fuit. Il fuit. Parce qu'il voit que je ne suis pas une femme qui se baisse. Les blancs cherchent les femmes faciles, les femmes fragiles. Comme ça, il peut dire ce qu'il veut et faire comme il veut. Quand tu regardes mon visage, tu crois que le vieux blanc, il va faire quoi avec moi?
Qu'est-ce qu'elle va aller lui raconter? Dites quoi? Tu es ma sœur. Ma sœur veut un vieux comme toi. Franchement, vous demandez des choses impossibles aux gens. Trouvons déjà la solution pour notre pays. Et notre continent. À partir du moment qu'on est stable, tu seras déjà fier toi-même. À l'intérieur de toi, tu auras cette fierté comme moi je l'ai aujourd'hui. Parce que je bosse avec mes mains. Tu ne peux pas me parler fort. Tu bosses. L'homme en ce temps-là, c'est comme ton ami. C'est comme ton ami. Il ne devient plus ton père, ta mère, ton grand-père et tout ton bagage. Mais les hommes aussi en ont marre de cette situation. La fierté de la femme. Une fois que tu as montré ton signe de fierté et ta détermination, tes enfants vont faire la même chose. Et de, qui dit enfant, dit petit enfant. Arrière petit enfant. Parce qu'ils vont, ils auront l'image. Ils ont l'image. Ils savent que maman, c'est une battante. Moi, quand mon enfant reste au chômage un mois, je l'appelle, je l'engueule au téléphone. Je dis, il n'y a pas de maladie qui dure un mois ici en France. Lève-toi, va à Pôle emploi chercher du boulot. Même si on ne te paye pas à hauteur de ton diplôme, mais au moins le SMIC que tu l'as, ça te permet de faire des sorties, ça te permet de manger ce que tu as envie de manger. Comme maman l'a toujours fait. Vous vous rendez compte si je n'avais rien fait? Comment j'allais leur dire ça? J'allais dire comment. Maintenant, j'arrive à leur dire comme maman l'a toujours fait et comme maman le fait encore. Parce que je n'attends rien des enfants. Je n'attends rien de mes enfants. Elles font le cadeau quand elles le veulent. À nous déjà de montrer l'exemple. Pas que le matin se lève, tu vas t'asseoir au bar. Telle personne passe, oh salut, oh, tu peux m'envoyer une bière là-bas. Ou l'autre passe, hé hey, mon beau frère, oh, n'est-ce pas, j'ai fait l'enfant avec toi. Oh. Est-ce que tu penses un peu à l'enfant? Oh? Dès que l'autre va passer, yeah, mon... c'est quoi cette vie-là? La journée est finie. La journée est finie. Bière plus, bière plus, bière, morceau de viande. Et la journée est finie. Et ton enfant va faire quoi? La même chose. La même chose. Une étude envoyée les têtes des morts, c'est la vérité. Inutile d'envoyer les têtes des morts. Même l'argent que les blancs stockent là, tu crois qu'on va venir te partager ça à la maison? Il faut se lever tôt. C'est ce qui se passe chez moi au sud. Quand je parle, je ne suis pas bête. Le matin, une fille se lave, elle s'assoit, elle prend sa chaise, elle s'assoit dehors à compter les taxis. Et ils connaissent le nom de tous les taximans. Tous les OPEP qui vont dans les villages, elles connaissent. Alors mes sœurs, au lieu de continuer dans cette direction, levez-vous demain. C'est un symbole pour que ça change. Ce n'est même pas comme si on te dit d'aller au champ porter le manioc ou quelque chose. C'est se lever et dire non à cette situation pour que les choses changent pour tout le monde. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas qu'on t'envoie te tuer ou bien faire quoi que ce soit. Tu te lèves. Et le fait de te mettre en rang et marcher, ça veut dire que cette corbeille que je porte en moi, cette poisse que je porte en moi, je veux que ça s'arrête. C'est comme ça. C'est aussi facile que ça. Et comme ça, nous, en nous battant ici,
On va aller partout, à Berlin, aux États-Unis, partout. On va trouver les moyens de sortir de cette merde. Nous allons trouver les moyens. À l'époque, souvenez-vous, tout ce que je parle ici à l'époque, est-ce qu'on aurait pu parler de ça? Vous avez tous eu peur quand j'ai commencé qu'on va me tuer, non? N'est-ce pas, je suis en vie. Il n'y a pas un seul problème ici-bas qu'on ne peut pas résoudre. Tous les problèmes ici-bas se résolvent. Levez-vous, marchez, marchez et marchez. Après cette marche, vous verrez qu'est-ce que nous on fait. Vous verrez de vos yeux de quoi nous sommes capables, nous qui sommes en Europe. On ne vient pas parce qu'on n'a pas les mêmes prisons. Ici, en prison, ici, avec ou sans argent, l'avocat va te défendre. Tu vas sortir. Tu vas manger, tu vas te soigner et tu ressortiras. Que les prisons en Afrique, ce n'est pas la même chose. Donc ici, nous, on est prêts à tout. On sait que même si on tombe en prison, il y a quand même quelqu'un qui peut venir te défendre. Donc, on vous demande tout simplement de marcher. C'est juste la marche. On ne peut pas continuer comme ça, mes amis, mes sœurs. On ne peut pas. On ne peut pas. Tous vos sœurs sont lessivées. Tous vos frères, les moyens, ça veut dire que les batteries sont à plat. On n'a plus de force de continuer avec Monogram Western Union. Les batteries sont faibles. S'il y a même quelqu'un qui ne vous dit pas, ils en parlent ici. Tout le monde en parle. Tout le monde qui est en Europe en parle. On n'en peut plus. Depuis qu'on est arrivé, on ne fait que ça. Si ce n'est pas cette famille, c'est l'autre. Si ce n'est pas côté papa, c'est côté maman. Si ce n'est pas côté maman, c'est côté cousin. Si ce n'est pas côté cousin, c'est côté machin. Ok. Vous voyez vraiment qu'on doit finir notre vie comme ça. On a les enfants, non? On a les petits-enfants. L'avenir de l'enfant se prépare. Hein? L'avenir de ton petit-enfant se prépare. Ce que je suis en train de faire là, c'est préparer l'avenir de mes petits-enfants. Même si moi, je ne pourrais rien profiter là-dedans. Eux, ils profiteront. Chasser les têtes de mort qui sont en train d'arriver là. Je crois que les pimenteuses sont là parce qu'elles ne pourront pas se détacher de leur camion demain pour pouvoir marcher. Mais ils viennent juste pimenter comme c'est le seul travail qu'ils ont trouvé ici-bas. Il est temps de préparer l'avenir de vos enfants. Il est temps. Je voulais juste donner un petit conseil aux pimenteuses qui m'envoient les têtes de mort. S'il vous plaît, les filles, soyons honnêtes. Entre vous et moi. Soyons un peu honnêtes, tout simplement. Quel avenir a vos enfants et vos progénitures? Vous pouvez me répondre. Quand ton enfant sait que l'argent que maman a conçu cette maison, elle n'a jamais travaillé. Elle n'a fait que la prostitution. Tu crois que cet enfant trouvera un mari digne de ce nom?
ou bien un mari qui va la respecter, ou même un boulot qui va dans le sens de ce qu'elle doit être ton enfant aujourd'hui. C'est juste une question. Vous, vous vous amusez aujourd'hui. Mais les enfants ne vont pas s'amuser. Aucun enfant n'aime sa mère aller faire la prostitution. Aucun de nos enfants aime quand tu sors, sachant que tu t'en vas faire l'amour pour de l'argent. Les enfants actuels, je parle des enfants actuels. J'ai mon petit-fils quand il vient chez moi. Il y a des week-ends, je le prends. Pour soulager sa maman. Quand il est avec moi, il dort sur mon lit, il pose ses pieds sur moi. Ça veut dire que dans sa petite tête, je lui appartiens. Est-ce que vous avez la possibilité de faire ça avec vos petits-enfants? Non. Pas d'amour. Pas d'amour. Donner un peu d'amour à ses enfants, un peu d'affection, tout simplement, juste un peu d'affection, vous verrez qu'ils vous le rendront. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu l'affection et on ne sait pas donner. Mais pour les petits-enfants, faisons un effort pour rétablir la bête. S'il vous plaît, il n'y a pas un travail qu'on commence et qu'on ne peut jamais arrêter. Moi-même, j'ai eu un salon de massage. Dans le salon de massage, les hommes me demandaient des choses un peu plus compliquées que des massages. Mais c'était de mon choix de dire que je ne veux pas aller plus que ça. C'est moi qui décidais. Et je les ai habitués à savoir que j'ai les mains pour leur donner, pas mon corps. Vous pouvez le faire. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez. C'est dans ça que les hommes nous prennent vraiment pour des moins que rien. Je vous dis sur la tête de ma mère. Depuis que moi, je ne suis pas dans cette activité-là. Moi, j'ai vu cette activité. J'ai mis mes pieds dedans. J'ai essayé. Et j'ai vu que ça ne me correspond pas. N'est-ce pas? J'ai fait d'autres choses. Depuis là, ça fait longtemps. Ça fait 18 ans aujourd'hui que j'ai fait autre chose et que je suis bien dans cette autre chose. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, je suis bien parce que je me sens propre. Juste pour vos enfants, la femme africaine a sa part de dignité que nous avons vue sur nos mères, sur nos grands-mères. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je vois encore aujourd'hui des femmes de 70 ans, de 60 ans, parce que la plupart ont changé l'âge avant d'arriver en Europe. Beaucoup ont descendu 10 ans, 5 ans, 3 ans. Je ne sais même pas s'il y en a qui n'ont pas descendu plus que ça. Qui se lève encore pour aller chercher l'argent dans le camion ou bien pour aller se marcher le long de la route toute la nuit. Des fois, je m'arrête, je regarde ça. Ça me dépasse. Trouvons d'autres solutions, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de lire les commentaires, donc je ne lis même pas. Je vous ai dit aujourd'hui que je ne lis pas les commentaires. Ça ne sert à rien d'insulter parce que je ne lis pas les commentaires.
Trouvons d'autres solutions, s'il vous plaît. Pour l'avenir de nos enfants. Levons-nous. Ma voix là, vous allez rester l'écouter. Ça résonnera dans vos oreilles. Tout le temps, si je meurs. Ma voix va résonner dans vos oreilles si vous ne voulez pas m'écouter. C'est une malédiction que je vous laisse. Ça veut dire que si je finis par tomber, tous les jours, vous allez entendre ce que je suis en train de dire là. Arrêtez. Arrêtons. Nous avons mieux à faire que ça. Notre pays a besoin de nous. Notre continent a besoin de nous. Pour montrer une autre facette, une autre façade à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors, la nuit porte conseil. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, la nuit porte conseil. Parmi vous, quelques-uns ou quelques-unes, rêveront cette nuit et penseront à ce que je suis en train de dire. C'est maintenant ou jamais. Moi, ma tête est mise à prix pour vous donner un coup de main. Mais je n'ai pas peur de ça. Si ça peut aider la génération future, pour qu'ils ne prennent pas ce sale chemin qu'ils ont commencé à prendre. C'est un sale chemin. Il y a mieux. Battons-nous pour retrouver notre liberté et notre dignité, s'il vous plaît. Il n'y a rien de mieux d'avoir sa dignité et même sa fierté. Je préfère encore frire les atchoms au bord de la route ou briser mon poisson au bord de la route au moment où je vous parle. S'il n'y a que ça qui me reste à faire, je le ferai. Que d'aller soulever ma jupe pour avoir 10 euros ou 20 euros. Ou 30 euros. Bonsoir, Mireille. Faisons tout ce qu'il y a à faire dès demain. Levons-nous. Il est temps. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Aujourd'hui, nous avons droit de réclamer notre avenir, notre liberté, notre argent, nos biens, protéger nos forêts, protéger nos villes, protéger même nos enfants, nos petits-enfants. Essayez de trouver d'autres solutions pour notre dignité. Le petit frère du Congo a fait. Faisons-le, nous pouvons. Le petit au Congo, là, récemment, là, ça fait pas longtemps, non? Ça fait une semaine. Il a été installé hier, je crois. Attendez pas que c'est quelqu'un qui vient te dicter dans ta ville, ni dans ton pays, ni dans ton esprit. Lève-toi. I have a dream, comme il a dit. Quelqu'un l'a dit aux États-Unis. Et quelqu'un d'autre l'a fait. Dans les mêmes États-Unis. J'ai tout fait, moi. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je peux vous rassurer que
n'importe où, ce problème de liberté de la Françafrique, n'importe où ce problème me mènera, je ne reculerai pas. Il y a le Koweït qui m'a encore appelé pour me parler que les autres prennent de l'argent. Je vais vous dire là-bas au Koweït que vous avez pas mal de choses à faire là-bas. Occupez-vous de ce problème. Entre vous, les problèmes d'argent, ça ne m'intéresse pas. Si je voulais l'argent, je peux vous citer les personnes qui m'ont déjà proposé de l'argent. Mais je n'ai pas envie. C'est une sale monnaie. J'ai décidé de finir ma vie en beauté. Si la vie a mal commencé, j'ai décidé de la finir en beauté, ma vie. C'est la décision qui fait la personne. Ma vie a commencé avec des tracasseries. Ça n'a même pas commencé avec des tracasseries. Je suis très bien née. À l'intervalle de la jeunesse et de l'âge adulte, c'est là où j'ai eu des difficultés. Après, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Chacun a le droit de décider comment elle veut que sa vie ou comment il veut que sa vie s'achève. Donc moi, j'ai décidé que ma vie s'achèvera en beauté, en aidant les autres. Donc, levez-vous tous demain matin et marchez. Évitons de se jeter des balles à gauche à droite. Évitons de se donner des sales mots inutiles à gauche à droite. Évitons tout ça. Pensons à notre avenir et l'avenir de nos enfants. Surtout l'avenir de nos enfants. Nous avons envoyé les enfants à l'école. Chaque parent est fier quand son enfant lui rapporte un diplôme. Mais aucun parent n'est fier qu'on lui dit qu'on a enterré son enfant en Sicile. Où elle ne peut même pas venir voir là où l'enfant est enterré. Parce que l'enfant a fui la dictature. Parce que l'enfant a fui pour chercher le bout de pain. L'enfant a fui pour éviter de voir sa mère malheureuse. Et ses frères et sœurs malheureux. Ces enfants m'appellent souvent et me disent, « Maman, même si tu me tues, je préfère mourir dans l'eau que de retourner. » Il est temps que ça s'arrête. Ce sont des décisions radicales. Et avec raison. Mais le cimetière de la Sicile n'est pas fait pour nos enfants. Je n'ai pas beaucoup de choses d'autres à vous dire. Je ne vais pas vous exciter. Je ne vais pas vous dire comme tout le monde vous dit en vous gueulant. Non. Chacun a sa conscience. Chacun va se coucher et il va penser. Comment je fais? Est-ce que je dois aller marcher? Parce que si tu dis que si je vais marcher, je vais mourir, tu es déjà mort. Tu es mort depuis. Parce que ce que nous vivons, ce n'est pas une vie que vous vivez au Cameroun à ce jour, en Afrique en général. Si on n'envoie pas les Western Union, vous ne vivez pas. Donc ce n'est pas une vie. L'examen de conscience, des fois, parfois même si tu as bu, tu vas t'asseoir comme ça. Et tu vas dire,
La boisson même va d'abord finir dans tes yeux. Quand il faut prendre une décision qui va dans le bon sens, que tu luttes pour une cause noble, la boisson, même si tu as bu 10 bières, ça va s'arrêter tout seul, le sommeil. Et tu vas écouter le petit cœur qui va parler en toi. C'est le moment ou jamais de s'élever et dire non à la Francafrique, non à la guerre tribale. Non à la dictature. Ce n'est plus l'époque de l'esclavage qui est la dictature à ce point. Nous avons crucifié les Blancs parce qu'ils nous ont esclavagisés. Maintenant, nous-mêmes, nous le faisons à nos frères, à nos enfants, à nos maris, à nos sœurs. Il ne vous arrive pas un moment de rester comme moi, je le fais souvent, rester dans un calme absolu comme ça et réfléchir. Pardon. Moi, je suis bizarre. Des fois, je m'éloigne de tout le monde. Je m'assois dans un endroit où c'est calme. Vous entendez le calme, pas de musique, rien. Et là, je réfléchis. Je me demande, avec tout ce monde entier, il y a tellement de monde sur cette terre. Pourquoi il y a seulement quelques-uns qui se lèvent pour faire quelque chose pour les autres? Pourquoi n'y a-t-il pas plus qui se lèvent pour que le monde soit meilleur? Je me pose cette question tout le temps. Ça ne fait rien qu'on t'insulte. Ça ne fait rien qu'on te dise pourquoi tu parles. On finira par t'adopter. On finira par t'adopter. Un jour on t'insulte, deux jours on t'insulte, trois jours on t'insulte. Ce sont des malades. Ils ne comprennent rien à rien. Ils se contentent d'aujourd'hui. Mais à force, il finit par se poser la question. Mais cette femme, pourquoi elle parle autant? Beaucoup m'ont souvent appelé inbox que j'ai bloqué. Beaucoup j'ai bloqué, je peux vous rassurer, j'ai bloqué plus de 4000 personnes. Et ils repassent maintenant sur inbox pour me dire, ma soeur, je ne savais pas de quoi tu parlais, pour que je lui débloque. Donc, avant de juger, vaut mieux chercher à comprendre. Les gens qui font du bien sont tellement peu que ceux qui font du mal sont abondants. Donc, essayons de renverser la donne. Que ceux qui fassent du bien soient plus nombreux que ceux qui font du mal. Et vous verrez que les autres auront honte et ils nous rejoigneront. C'est seulement comme ça qu'on peut faire pour éviter de prendre les fusils des Français. Est-ce que nous sommes nés pour nous entretuer? Depuis quand on s'entretue? Vas-y si tu veux. Moi, je vais dormir. Ah, déjà, oui, ok. Bonne nuit, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est né pour s'entretuer? Depuis quand les Noirs sont nés pour s'entretuer? Quelqu'un vient de l'extérieur. Il vient te dire, tue ton frère. Et toi aussi, tu te lèves, tu tues ton frère. Est-ce que tu sais que ce que tu as fait, c'est toi qui portes toute cette poisse jusqu'à la fin de ton existence, plus tes enfants,
plus tes petits-enfants. Parce que cette personne que tu allais tuer ne t'a rien fait de mal. Mais tu t'es levé pour aller le tuer ou aller la tuer tout simplement parce qu'un blanc t'a dit « tue ton frère ». Comme Blaise Compaoré avec Thomas Sankara. J'étais trop jeune quand j'ai vu ça. Réfléchissons un peu. Revenons sur nos moutons, comme on nous disait à l'école. Revenons à nos moutons. Réfléchissons un peu. Juste un peu. Juste un peu. Et vous comprendrez le problème. Vous comprendrez de quoi je parle. Le monde va très mal. Et c'est trop bête. Parce que quand il va mal, c'est à nous de le redresser, le monde. Dieu nous a donné un monde. De gérer ce monde nous-mêmes. Si nous ne comprenons rien dans ce monde, à quoi ça sert de vivre? Vous appelez ce que vous faites vivre? Vous-même qui m'insultez là, vous appelez ça la vie? Vous volez l'argent, vous vous asseyez, vous mangez, le ventre rempli, vous chiez 3-4 fois par jour. Parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire. Si le ventre est trop rempli, tu vas chier, tu vas remplir le cabinet pour rien. Et pourtant, le ventre est normal, va aux chiottes une seule fois par jour. Une seule fois. Quelqu'un qui mange naturellement, il va aux chiottes une fois par jour, pas plus. Si tu manges comme ça se doit, tu vas aller une seule fois aux chiottes le matin au réveil. Mais tu manges exagérément parce que tu en as de trop. Donc tu es obligé de manger 3-4 fois par jour pour aller remplir les chiottes. Alors que l'autre, parce que cette nourriture ne te sert à rien. Le corps humain a besoin de la quantité qui te nourrit pour la journée. Tu n'as pas besoin d'empiffrer. Le corps a besoin de certains aliments, de certains éléments pour une journée. Et après, il n'a plus besoin parce que tu remplis une panse inutile au lieu de partager à celui qui est près de toi qui, lui, n'a pas à manger. Voilà donc le problème. C'est tout. C'est très facile. Nous faisons tous ces trucs à cause de la nourriture. Parce que si c'était à cause des maisons, la maison, c'est rien. La pluie peut venir à la porte de ta maison tout de suite. Tu vas pleurer, mais tu ne vas pas dormir sans manger. Parce que tu vas pleurer si tu n'as pas mangé. Regardez au fin, à la finale que c'est nous qui sommes bêtes. C'est nous qui sommes bêtes. Tout simplement pour la panse que nous faisons cette tuerie. Je dis, je suis en France. J'ai vu des légionnaires qui étaient allés en guerre plusieurs fois. Et quand ils reviennent, ils sont fous. Ils sont fous. Tu ne peux pas le supporter. Parce qu'ils te disent que les bruits des armes, comme ils tiraient sur les gens, ça tape sur sa tête. Ils te le disent en face. Dieu n'a pas créé un être humain pour qu'on le tue. Non. Tu ne tues pas ton semblable.
Voilà le problème. Nous tuons pour la panse. Parce que tu as mangé. Tu veux manger beaucoup plus que ta panse ne prenne. À cause de quoi? Si tu en as beaucoup, passe à l'autre. Tu verras que ce que tu as donné à l'autre. Si quelqu'un venait même à te faire du mal, l'autre que tu as donné à manger va dire non, je ne peux pas trahir cette personne. Elle m'a donné à manger. La nourriture, ça tue. Alors, ce soir, si vous partagez comme moi, quand j'ai, je partage. Dès que j'ai, je partage. Avec tout le monde. Et c'est pour cela, je ne galère pas. C'est rare de me voir dans la galère. Beaucoup de gens me doivent de l'argent. Ils préfèrent se faire tout petit. Je sais tout le monde qui me doit l'argent. Je connais qui me doit. Mais ce n'est pas pour autant. Et je sais qu'ils ont l'argent. Mais ils sont malades. Ils ont du mal à sortir cet argent de la poche pour payer ce qu'ils me doivent. Ce sont des gens comme ça que je demande qu'ils aillent un peu plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils sont malades. Pensons aux autres. Et la vie sera très simple. Nous ne serons pas à ce niveau où nous sommes aujourd'hui si les autres pensaient aux autres. Parce qu'au point où on en est aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Et tout le monde a perdu la patience. Et ça, c'est normal. Tout à fait normal. Parce que quelqu'un fait 5 poulets ici à côté. Juste à côté de ta maison. Il ne peut pas les finir avec sa famille. Il jette à la poubelle pendant que les autres à côté n'ont pas de quoi manger. Et demain, tu m'appelles pour me dire que viens m'aider. Ou bien que mon enfant est tombé malade, est-ce que tu peux m'aider? On a donc oublié tout ça. Et pourtant, c'est comme ça qu'on vivait avant. Je me souviens très bien dans ma famille. L'enfant était malade à minuit, on venait toquer ma grand-mère. Ma grand-mère se levait et soignait l'enfant. Un jour, deux jours plus tard, tu voyais la maman qui est venue soigner l'enfant venir avec une petite poule à la main. Souvent, c'était des petites qui n'étaient pas encore grosses. C'était des petites. Maman Bella, tiens. Et c'est comme ça qu'on vivait. Et la vie était trop facile comme ça. Et très simple. Vous voyez jusqu'où nous nous sommes. Nous sommes partis nous accrocher. Nous sommes partis nous accrocher à quel niveau vous-même regardez. Plus personne ne regarde sa sœur dans les yeux. Tout le monde a peur de l'autre. Alors moi, j'ai décidé de ne plus avoir peur de personne. Vous avez compris ma bataille, c'est ça. J'ai plus peur de personne. J'ai peur maintenant que de Dieu du ciel. Et je peux habiter avec qui je veux. Je n'ai plus peur de personne. Et je vous en prie. Essayons. Essayons d'être dans cette harmonie. Vous verrez que la vie sera très facile. Depuis que j'ai pris cette résolution, je peux vous dire que ici en Côte d'Azur, j'entre dans toutes les boutiques
Il n'y a jamais personne qui m'a fermé la porte. Même si j'ai l'angle. J'entre dans toutes les boutiques. J'ai dit, hein, ce n'est pas les Camerounais, cela. Ivoirien, Burkina Faso, tout le monde. J'entre. Si je te dis c'est sale, il faut quand même que ton salon soit nettoyé. Je vais te le dire. Je dis nettoie ton salon. Ce n'est pas beau. Même si ça te fait mal, ça ne fait pas que quand je vais revenir demain, tu me fermes la porte. Non, parce que je te dis ce qui est bien. Mais ce n'est pas pour autant que je ne m'assois pas pour me coiffer, hein, ou bien pour te faire la recette ou te ramener les clients. Mais non. J'ai décidé de vivre cette vie et ça fait depuis un bon bout de temps que je vis comme ça. Et tout le monde en Côte d'Azur me connaît que je suis comme ça. Si je mange, tout le monde mange. Si je n'ai pas, je n'irai pas toquer sur les portes, mais j'appellerai mon Dieu, je dis Seigneur, je n'ai pas. Il m'enverra un client et je m'en sortirai. Ce n'est pas pour autant que si j'ai vendu que la quantité que je dois manger, que je ne donne pas aux autres, si l'autre venait me dire que j'ai besoin de 10 euros, je prendrai les 10 euros, je lui donnerai. Ça ne m'empêchera pas de ne pas manger le lendemain. Arrêtez de vous accrocher sur quelque chose qui ne vaut pas la peine. Arrêtez de vous empiffrer des richesses qui ne vous appartiennent pas. Arrêtez de faire du mal à ceux qui ne méritent pas d'avoir ce mal-là. Parce que quand tu vas estorquer les fonds à quelqu'un qui est déjà pauvre, tu es en train de tuer cette personne. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui prennent l'argent pour venir insulter les gens, j'ai pitié de vous. Vous me faites tellement pitié. Si seulement vous savez. Vous me faites trop pitié. Vous voyez comment je vieillis bien. Au cas où vous n'avez pas bien vu, je vieillis très bien. Parce que mon cœur est net. Mon cœur est calme et net. Ne voyez pas quand je crie, parce que quand je crie dans les vidéos, c'est quand l'Esprit Saint parle à ma place. Pour que vous compreniez quelque chose. Quand je suis tranquille comme ça, ça ne sert à rien de venir insulter, parce que je suis posée, je suis moi-même. Moi-même, je ne suis pas quelqu'un qui crie. Je ne suis même pas quelqu'un qui fait du mal. Les gens qui me connaissent savent que je sais m'amuser. Je sais bien m'amuser. Maintenant, les hiboux qui ne savent pas quoi faire de leur vie passent le temps à venir insulter. Ça ne me dérange pas. Si vous avez appris les insultes, vous pouvez aller plus même. Ça ne me fait pas mal. Ça ne me fait plus rien. Ça m'a radicalisé même. À force. Mes soeurs, mes frères, les dames qui sont comme moi, qui ont fait des enfants, même s'ils n'ont pas fait des enfants, qui ont même élevé les enfants de leurs sœurs, les enfants de leurs frères, les enfants de leur mère. Dormez, mais sachez que le matin, nous avons une seule bagarre. La seule bagarre que nous avons, c'est le Francafrique qui nous obligera aussi d'avoir la force de faire sortir tous les dictateurs de l'Afrique. Ils vont aller penser ailleurs parce qu'ils ont fait fort. Lutter pour que
les dictateurs sortent de notre vie et que la France aille apprendre à voler dans d'autres continents. Ce n'est pas tous les Français quand je parle, s'il vous plaît. Quand je dis la France, c'est parce que ce sont les capitalistes de la France qui sont chef-lieu du problème dont on parle. Alors c'est la France. Je ne veux pas vous retarder plus que ça. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Mais n'oubliez pas que demain nous avons du boulot, nous tous. Vous en avez de votre côté, j'ai de mon côté. N'oubliez pas de prendre du vinaigre, on vous a dit. L'eau pour boire, parce que chez vous là, il fait chaud. Même s'il ne faisait pas chaud, il faut boire de l'eau. Des baskets aux pieds. Pas les talons. Ce n'est pas pour aller faire les sasayés là-bas. Mais tenez-vous les mains. Marchez ensemble. C'est un très grand signe. Ici en France, quand on marche, on ne regarde pas. Tout le monde, dès que vous êtes déjà dans un groupe, vous êtes un groupe, ça fait du bien. Et les gens se parlent. Et les gens se connaissent. Et les gens écoutent, les autres écoutent les autres. Ça fait beaucoup de bien. Oubliez votre haine inutile qui ronge les cœurs négatifs. Je suis la femme la plus heureuse dans la vie parce que mon cœur est en harmonie avec tout le monde. Je vous dis même avec les sardinats, je ne vous déteste pas. Je ne vous déteste même pas. C'est ça qui est même encore pire. Je ne déteste personne. Tu m'insultes maintenant, après tu t'en vas, je m'en fous. En moins de 2 secondes, j'ai déjà oublié. Et tout ce que je vois à ce temps-là, c'est la pitié. C'est la pitié, mais je finis souvent par prier Dieu qu'un jour, qu'il te donne un cœur comme moi, comme le mien. Parce qu'au moins le mien ne garde pas rancune. Je garde rancune à personne. À personne. Vous voyez bien comment je traîne avec mes enfants là, à gauche, à droite. Quand ils font des vidéos, vous voyez, je partage. Je n'ai aucun. C'est-à-dire, il n'y a rien qui me dérange. Rien. Quand vous arrivez à ce stade-là de la vie, que plus rien ne vous... À part vraiment les choses comme celles que je vous ai parlé dans la vidéo là. Le pillage d'argent de l'Afrique. Je n'ai jamais voulu penser à ça. Je n'ai jamais, vous savez, même ici les enfants étudient l'esclavage qu'il y a eu et tout. À chaque fois que je voyais mes enfants danser des paragraphes comme ça, je faisais comme si je ne veux pas voir parce que ça m'a toujours fait mal, très mal. Alors, comme j'ai essayé d'oublier ça, je ne veux pas que autre chose vienne florer, on dit comment, blesser mon cœur dans ce sens. La France a compris que tout le monde est déjà au courant. Je suis sûre au fond de moi qu'ils vont faire ce qu'il y a à faire pour que ça s'arrête au plus vite. Au plus vite. Donc, faites cette marche. Faites-la. Moi, je vais passer à ma prière. La vraie. Et je serai avec vous. J'espère qu'on ne va pas vous bloquer
les Facebook. J'espère. Je vous laisse aller vous reposer. On se parle demain. Je serai dans beaucoup de directs. Donc, je ne peux pas vous dévoiler ce que je ferai demain. Donc, on se dit donc, bonne nuit. Beaucoup de courage. Levez-vous, réveille ton voisin et dis-lui, allons marcher. La marche, ce n'est pas aller bagarrer, non. La marche, c'est significatif. Pour le côté blanc, quand tu fais une marche, ça signifie beaucoup de choses. C'est une protestation qui veut tout dire. Ils ne prennent pas à la légère, même si vous voyez que ça bagarre ici. Ce n'est pas à la légère. Ils savent que quand on arrive à marcher en groupe, ça veut dire que ces gens ont les pensées unies. Et ça peut faire mal. C'est pour cela que vous avez vu que ici, on marche beaucoup. On marche. Il y aura marche à Berlin, il y aura marche en Angleterre, il y aura marche en Italie, il y a marche à comment ça s'appelle? Qui je n'ai pas prononcé là? Le Canada. Ça, ce sont les marches qu'on m'a annoncées. Voilà. Il y a marche partout. Ça veut dire en Espagne aussi. Il y a marche partout. Les Camerounais vont se lever de partout pour vous accompagner en même temps à la marche. Et d'autres vont s'occuper des ambassades. Je peux vous dire qu'il y a le prend. On a du travail. Donc ne prenez pas ça à la légère. La marche que vous effectuez là, ça a beaucoup à dire et ça nous pousse à beaucoup de choses. Voilà. Je ne veux pas parler plus. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se tient. On sera en direct demain. Soyez avec vos portables. Quelqu'un qui m'a dit que Maman Eliane, tu ne sais pas que les gigas coûtent cher ici. Oui, les gigas coûtent cher. Mais l'argent que tu peux aller boire 5 Guinness, si tu achètes les gigas pour 10 pour combien? Pour 1000 francs. Je pense que 1000 francs, tu peux éviter la Guinness. Tu peux boire peut-être 2 Guinness au lieu de boire 5 comme d'habitude. Tu mets tes gigas pour 1000 francs. Ce sera bien. Les gigas là, vous ne savez pas combien nous dépensons par jour avec cette histoire que vous voyez ici. Si on vous disait que l'argent vient de nos poches, il n'y a personne qui nous aide. Chacun paye son billet d'avion pour aller là-bas, chacun paye sa nourriture pour aller. Il n'y a personne qui nous sponsorise pour ça. Nous sortons l'argent de nos propres poches. Il n'y a personne qui nous donne un centime. Donc, oubliez même, ça fait combien de mois qu'on est là-dessus? Les abonnements. Moi, mon abonnement coûte 48 euros par mois. Sans parler que je voyage à Berlin, je vais voir en Italie, ou je vais voir là-bas, ou je dois aller là-bas. Non, vous ne connaissez pas. On ne peut pas compter. Tout ce qui compte, c'est ce qui va arriver à la fin. L'avenir, la liberté, c'est ce qu'on cherche. Et on l'aura. Je vous souhaite une très bonne soirée, mes amis. Et la nuit porte conseil pour ceux qui n'ont pas encore décidé. À très bientôt.